Bon, t'as le sourire, t'es content? Oui, j'ai un sourire. Déjà, parce qu'on a beaucoup mieux géré ce qui était notre problème sur tous les secondes mi-temps ces derniers temps. Et je trouve qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. Je pense qu'on aurait mérité de pouvoir marquer. C'est nous qui avons eu les meilleures situations. A contrario de la première mi-temps où Rodez a eu une vraie occasion avec la tête là, sur le centre. Donc j'ai bien aimé dans l'ensemble le comportement général de l'équipe. On sait qu'ici c'est difficile hein, de jouer, de faire des résultats. Donc c'est un bon point pour nous juste avant la trêve. On voulait aller à cette fameuse barre des 20 points, donc c'est chose faite aujourd'hui. Il y a quand même toujours une part un peu de frustration parce que je pense qu'on peut mieux finir certaines situations parce qu'on les a quand même encore eues. Ton joueur qui sort blessé, Régis, qu'est-ce qu'il a exactement? Un trauma. Donc il a perdu connaissance, il est parti à l'hôpital. Donc d'après ce qu'on me dit, il est obligé de rester 24 heures à l'hôpital. Donc j'espère que c'est pas bien grave. D'après ce qu'on m'a dit, qu'il avait repris connaissance. Donc il a pu parler. Mais ça aussi, c'était un fait de jeu aussi important pour nous. C'est un jeune joueur que j'ai intégré depuis 3 matchs. Il prenait confiance. Il nous amenait un peu plus d'impact dans le milieu. Et de le perdre rapidement, ça a fallu rechanger aussi à nouveau. T'as certains... eu un peu de flottement pendant ouais, 5 minutes après. Ouais. Donc on a changé de joueur de poste. Ouais. Qui se sont bien sortis dans l'ensemble. Mais ça a été. Je pense que c'est un fait de jeu important pour nous. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle on a été un peu en difficulté en première mi-temps. Mais bon, mis à part ce fait de jeu-là qui a quelques petites conséquences, ce qui est important pour vous, c'est que sur la continuité, sur la durée du match, vous n'avez pas été plus inquiété que ça. On n'a pas été mis en danger en deuxième mi-temps pratiquement. Hein. Alors Rodez propose souvent du jeu assez direct où ils ont cette faculté de gagner le deuxième ballon et de mettre la largeur et après de centrer. C'est l'équipe qui centre le plus en Ligue 2 et on l'a vu qu'en première mi-temps, ils nous ont mis en difficulté là-dessus. On l'avait préparé, on l'avait vu. Mais quand ils arrivent à enclencher leur action offensive là-dessus, ils sont dangereux. Puis en deuxième mi-temps, on était beaucoup plus haut dans le jeu, on les a obligés. On les a forcés à sortir, ils n'arrivaient pas à sortir le ballon de derrière. Donc ils ont allongé le jeu et puis on a été relativement assez solide dans les duels aussi. Donc je trouve qu'on a fait vraiment un match intéressant. Et on n'a pas pris de but, ça fait longtemps parce qu'on prend des buts en ce moment. Et en dehors de l'arrêt incroyable de Johnny en première mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose.